Radio Arcturé, ça y est, ils ont ramené la musique, les thèmes forts de Halo, parce que pour Halo 4, ils avaient un mis de côté les thèmes, le thème c'est les chants grégoriens, le thème principal, le Never Forget et compagnie, c'était un. Enfin, Never Forget se trouvait très rapidement dans le générique 2, enfin, pas grave. Et là, je dis Arcturé, ça y est, ils ont remis la musique qu'on connaît, la musique qu'on aime, c'est génial. Et ça fait bien. Ah ouais, c'est ça fait bien. On retrouve ça sur les musiques, on est là-dessus. Les fans qui veulent absolument voir le Master Chief justement, c'est alors après il faut se rappeler la polémique à l'époque de Halo 2, le fait de jouer énormément l'arbitre, alors que finalement on voit à peu près autant l'arbitre que le Master Chief. Là les derniers rapports sont clairement pas les mêmes, hein. On joue assez rarement le Master Chief, mais avec les missions qui impliquent la victime sont des missions dans lesquelles il y a du gros fun, voilà. Je ne vais pas vous montrer. Effectivement, il y a des raisons qui sont bien parce que, alors, pour les gens qui sont c'est pas du tout, non, c'est vraiment, ça fait partie de la campagne market de Halo, ça va bien être simple. Dans ce jeu, le Master Chief, en fait, va devenir un vrai méga, un traître, et il va être poursuivi par la team de Halo, donc l'autre qui est nouveau. Et c'est vrai que d'un point de vue gameplay, d'un point de vue scénario, je pense que c'est plus intéressant de suivre le chasseur que le chasseur. Ouais, en fait, les passages avec le Master Chief, c'est fait pour expliquer. Voilà, on découvre des plans, des éléments de scénario qui sont très importants, mais je pense que là, vous avez tout intérêt à faire en sorte que la team de Halo soit beaucoup plus en avant, parce que c'est eux qui mènent l'enquête, en fait, mais tout ce qui est plus intéressant, c'est plus sûr que là où il est peut-être le problème, c'est le fait de ne pas avoir tenu je crois que c'est l'année dernière en fait, c'est à l'E3 2014 en fait, ils ont dévoilé plus ou moins le personnage de John Snowdog. Alors je dis plus ou moins parce que je me rappelle plus tout à fait la période, il me semble que c'est un poil avant l'E3 2014. Et ils avaient tenu à rassurer tout le monde, non, vous inquiétez pas, John Snowdog va pas. Enfin, le Spartan en mystérieux, il n'avait pas encore de nom à l'époque, ne remplacera pas le Master Chief, ça sera du 50-50, blablabla machin. Fait, non, pas trop. j'ai aussi choisi cette mission parce qu'elle va nous permettre de montrer un peu plus. Et en fait ce genre de mur à casser, alors là c'est un peu obvious parce qu'on va être droit devant toi, hein, mais des petits murs à casser, on va en trouver un petit peu partout dans le jeu, parfois il faudra les trouver. Parce mais que tu le reconnais sur le mur à chaque fois. Oui, parce qu'il y a une fissure ou il y a un truc, c'est un bloc de glace, tu vois, un petit peu à travers, tu comprends que ça se casse, tu vois, c'est pour le coup c'est des design un peu bâté. Dans n'importe quel halo peut-être, c'est que les niveaux sont intelligemment construits. On a donc ces tirs à conduire parce que très souvent tu vas arriver dans une position qui manifestement est imprenable. On va te rendre compte en explorant un petit peu que finalement t'as des passages à gauche et que tu fais le mur machin, tu arrives sur une position qui est intéressante. Et toi tu attends qu'un niveau de corps qui peut se partout et tu vas là-bas, hop, tu vas aller là, et tu vois tu peux arriver à des endroits.
qui ne serait jamais arrivé. Parce que ouais. On n'avait pas la visibilité. Et surtout, on va pas monter comme ça. Mais que toi, j'avais dit, j'en parlais avec un autre journaliste. T'arrives à un endroit qui ressemble à une énorme arène, tu te dis ok d'accord, ouais, là on va se taper, là en termes de level design c'est hyper optique. Ouais. C'est clairement ce qu'il y a de passé. Là j'ai trouvé ça moins évident que tu en regardes, mais moi au début quand je suis arrivé sur le jeu, j'avais oublié, tu sais, je pense pas tout de suite sur le groupe, ça fait 15 ans que je joue à l'eau, ouais. Je pense pas tout de suite, tu vois, à me dire après c'est pas ce moment là, je peux grimper, je peux faire la vie, mais au bout d'un moment tu dis ouais mais attends, en fait là, là, légèrement penché, c'est à mon niveau, je peux y aller. Agréable en termes de. Après là on est sur la deuxième mission du jeu, donc les gens me disent ouais enfin on le voit quand on peut passer par là, tu vois, c'est forcément sur des niveaux, des nouvelles possibilités. Et une fois que tu le sais après tu t'y adaptes toi-même et t'as pas moins besoin d'indication. Il y a un niveau en particulier avec la cible de police, c'est un moment c'est supposé chercher comment ouvrir une porte. Et sur le coup je suis allé en fait, c'est assez en regardant. C'est tout juste correct pour un jeu de 2015 quoi. Ah ouais quand même. Ouais ouais ouais. Ah, c'est, bon, alors, c'est, j'ai ça jamais bizarre trouvé, pour un j'ai jeu jamais aussi trouvé fort, ça moche. Aussi gros pardon que Halo. Après tu vois j'ai jamais trouvé ça moche, mais il y a aucun moment où je me suis dit oh ouais ce jeu c'est le plus beau jeu de la console quoi. D'accord. C'est, après est-ce que j'enlèverai des points là-dessus au moment de noter? Je pense que j'en tiendrai compte, mais c'est pas non plus avec ça que je pense que le jeu parlera le plus de points. C'est ça qui fera la différence entre la note de 10 et de 13 qui donne. Oui voilà, c'est ouais. Alors, ouais, hein, on va pas avancer plus parce que là, il y a un event qui va se déclencher et il y a potentiellement du spoil. Donc, je vais pas vous en dire plus. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu la campagne, que ce soit avec Master Chief ou avec Locke. Alors là, vous avez vu, on a pas mal d'intérieur avec les premières missions. Avec Locke, on avait beaucoup de missions d'extérieur. C'est un peu vrai que vous avez vu, en fait, avec Locke, on passe toujours à l'extérieur et on va faire un petit peu à l'intérieur. Et après, ça prend une autre dimension vu la verticalité qu'a pris le jeu. Honnêtement je pense que de ce point de vue là les fans de Halo seront assez contents. Là à gauche quand même. Ça va, hein. Je vais essayer de monter là-haut déjà, tu vois.
Ah non, là, y a... ah, ah le mur en invisible. Ah, dis donc, on nous l'avait caché, ça, là, le mur en invisible. Ouais, là, c'est bien. Ah, déjà, bien joué, tu peux juste te balader, c'est vrai que le mur invisible, il est jamais bien. Ouais, là, il y a un mur. Ah, moins 5 points, c'est dommage. Ah, il était bien parti. Il était bien parti, c'est l'échec juste avant la fin du VM, malheureusement. Donc, allons 5, cet échec. Ça concerne ma vie. Je vais vous parler un petit peu de mes vies. Je vais vous parler de moi. Non, enfin, excusez-moi. On est au moment d'un rejet sur ces 2000 lives, on est le 23, donc on est plusieurs jours avant la partie du jeu, donc enfin, une semaine maintenant que je retourne à l'écran à la connaissance. Sauf qu'on a accès au multijoueur uniquement depuis hier, et actuellement, au moment où j'ai commencé le live, je ne me suis pas arrêté sur le mien, je n'ai pas encore assez joué. Parce que voilà, je n'ai pas encore suffisamment joué au multijoueur et surtout actuellement à tous les multijoueurs pour essayer de compléter les prochains dans la ligue des sessions. Donc je pense qu'au moment où les tests de Alliés sont faire, donc on fera l'un des prochains moments dans la matinée, vous aurez les tests, vous aurez les deux demi lives, mais vous n'aurez pas de vidéo test et vous n'aurez pas les demi lives de tous les multijoueurs. Vous arriverez un petit peu plus tard, et parce que je préfère vous montrer des multijoueurs dans les bonnes conditions. Et puis il y a un vidéo test avec tout à l'intérieur, voilà, on repart un petit peu plus tard. Ça veut dire que quand on a un vidéo test, tu vas faire un autre point, tu vas pas mettre de... Non, parce que je vais rien passer, je vais jouer au jeu chez moi ce week-end. D'accord, j'aurais pas le t'auras pas eu le temps d'avoir fait les vidéos tests. J'aurais pas le matos à porter, j'aurais pas de bon cœur avec moi ce week-end chez moi. Donc le test, lui, quand il va sortir, lui, il sera complet. Ah oui, le test sera complet définitif, c'est juste le vidéo test. Là, techniquement, si je vais tout sur ligne, il faudrait que j'ai joué au jeu, que j'aie ma note aujourd'hui, ce vendredi. On part sur un week-end, c'est pas possible, donc du coup je préfère décaler ces contenus, vous les aurez plus tard. Du coup ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas le vidéo test et les échecs supplémentaires de multi. Mais il y aura du multijoueur en Warzone, en Arena, et je vous ferai peut-être un petit truc aussi sur la tout ce qui est customisation, personnalisation, donc les armures, le système, les recs, ne vous inquiétez pas, tout sera là. D'autant qu'en plus il a mis des extraits dans son test, si je m'abuse, voilà, il y aura des extraits aussi dans le test, du moins en attendant. Donc on fera déjà ça pour vous faire. Oui, et puis il y a ceux que j'ai mis en ligne déjà lors de la preview à Londres il y a un mois maintenant. Donc je vous avais montré du Warzone, du Call of Duty, de la campagne et de Master Chief, donc j'avais déjà des extraits qui sont disponibles. Merci beaucoup pour ces deux GL qui concernaient exclusivement le solo. Là-dessus, retrouvez tous les articles cachés, notre cher FM sur Halo 5. Il va y en avoir une vraiment belle en plus. J'ai même de faire un peu récap de ce qui s'est passé dans l'autre, parce que jusqu'ici, avec sur Damien Halo 5. C'est un vrai problème. On en parlera plus tard, mais j'ai envie de te faire des choses très vulgaires là. Alors, si tu dis ça, c'est porté à conclusion. Mais bon, voilà, c'est ce CGL, il est extrêmement long. Merci à tous. Ciao.